Bienvenue à tous sur la page Facebook de la Coupe de France du Burger by Socopa. C'est la quatrième finale régionale que nous allons dans quelques instants débuter. Bravo à Samuel qui était avec nous tout à l'heure, qui a participé à la finale Sud-Ouest et qui a remporté sa place pour la finale nationale que vous vivrez tout à l'heure à partir de 16h30 en direct. Julien Dubouet, le chef cette année, qui est le chef des membres du jury. Le parrain de ce concours. Comment est-ce que pour l'instant, on va attaquer la quatrième finale régionale dans quelques instants, comment est-ce que pour l'instant tu vis cette édition 2020 ? Je la vis avec beaucoup de plaisir, je me suis régalé depuis ce matin. Est-ce que c'est bon ? Et c'est très bon, il y a de forts candidats, de très beaux burgers, de très bons burgers. On s'est régalé, j'ai même goûté ceux auxquels je n'avais pas le droit de participer, le Sud-Ouest par exemple, mais je les ai goûtés en coulisses et je me suis aussi régalé, donc il me tarde déjà de les avoir dans la bouche. Bon, on va donc lancer le coup d'envoi de cette quatrième finale régionale. Est-ce qu'il y a juste un conseil que tu pourrais donner aux cinq candidats qui sont présents ? Juste un petit conseil, oui, on l'a vécu ce matin, juste penser très fortement à la cuisson du steak et à l'assaisonnement du burger en entier. Donc c'est très important, on en a eu beaucoup qui étaient sous-assaisonnés et derrière ça fait un gros manque à la fin sur les notes. Il y a eu des discussions tout à l'heure sur la cuisson du steak. Alors saignant ou à point ? Comment est-ce que toi tu le préfères ? En fait c'est au bon escient de la personne qui fait le burger, puisque là on ne peut pas choisir non plus notre cuisson. Donc il faut qu'ils le cuisent comme eux ils ont envie de le manger. Et derrière avec l'harmonie de ce qu'ils mettent dedans ça sortira bien quoi. Merci Julien. C'est donc parti pour la quatrième finale régionale. Nos cinq candidats vont donc avoir 25 minutes pour dresser trois mêmes burgers. Ces burgers qui leur ont permis sur dossier d'accéder à cette finale. Plus de 300 dossiers ont été reçus. Ils sont cinq pour la finale Sud-Est. C'est donc parti. Minutes pour donc entrer dans ce concours. La région Sud-Est, les cinq finalistes avec lesquels nous allons faire connaissance dans quelques instants. Vous suivez cette finale régionale en direct sur la page de Facebook de la Coupe de France du Burger by Socopa. N'hésitez pas à liker la page, n'hésitez pas à laisser des commentaires également. Et si vous réagissez sur les réseaux sociaux, vous avez le compte Instagram de la Coupe de France du Burger by Socopa, mais également Twitter avec à chaque fois le hashtag CF Burger. On va faire connaissance avec les cinq candidats qui ont donc 25 minutes pour réaliser leur burger. Lionel est le premier avec qui on va faire connaissance. Bonjour Lionel de Bédouin dans le 84, chef propriétaire de The Home Restaurant. Lionel, quelle est l'histoire du burger que tu vas nous faire dans un instant et comment est-ce que tu l'as imaginé ce burger ? Alors moi c'est un petit tour de France des saveurs mon burger. Moi je suis dans mon village où il y a beaucoup de cyclistes, été comme hiver. Donc c'est pour ça que je l'ai appelé le maillot jaune, pour vraiment faire un clin d'œil à ma région où il y a du vélo. Quoi. Ouais. Donc mon jaune d'œuf, c'était un jaune d'œuf infusé au vinaigre de cidre de Normandie. J'ai voulu faire balader un peu tout le monde avec des saveurs de partout. Donc quand j'ai entendu créativité à la française, pour moi c'était essayer de prendre des ingrédients d'un peu partout de la France et essayer de les assembler dans ce burger en fait. Et comme je disais, nous on a un pays où il y a beaucoup de vélos, donc d'où le nom le maillot jaune en fait. Qu'est-ce que tu as fait là dans la boîte ? J'ai vu fumer quelque chose. C'est ça, donc ça c'est mon steak fumé au thym, du Ventoux, parce que vu qu'on a beaucoup de... Ah, la viande est à l'intérieur. La viande est à l'intérieur. D'accord. Et je la fais fumer avec du thym, du Ventoux du coup. Parfait, très bien. Quels sont les autres ingrédients que tu as autour de la table ? Alors, du miel, du fromage, il y a des herbes de Provence évidemment. Comme j'ai dit, j'essaie de faire balader un peu tout le monde, donc du coup on a de l'oignon doux des Cévennes, on a une copa d'Ardèche, on a du miel des Pyrénées, on a de la tomme de Savoie, on a le thym du Ventoux et surtout mon thym du Ventoux qui me sert à faire fumer. Quoi. Bon, 25 donc, minutes, c'est suffisant dans le concours. Oui, on va tout faire pour. Allez, Lionel, bon courage dans ce concours. Premier finaliste donc, de cette région Sud-Est. On va faire connaissance avec Morgane tout de suite. Bonjour Morgane, bienvenue. J'ai envie de dire re-bienvenue dans ce concours puisque tu étais là l'année dernière. Exact. Et tu t'es dit, je retente l'aventure cette année. Ça ne t'a pas découragé l'année dernière, fort heureusement. Non, c'était bonne ambiance, donc... J'ai rien à perdre, tout à gagner. Donc. Tout à gagner, effectivement. Quel est le burger que tu vas nous dresser dans quelques minutes ? Alors, c'est le Roguin. C'est donc pain en pâte à croissant. Et j'ai fait une sauce au bouillon de jambon au foin. Donc, chez nous, c'est une spécialité, le jambon au foin.
Et du coup, j'ai fait cuire mon jambon pendant 5 heures environ. Ouais. Je récupère le fond de sauce et je fais ma sauce avec, un peu façon poulette. Le choix entre trois viandes de ce copain, le hachis tradition, vous avez le tartare également, ou la façon boucière, quel est ton choix ? Eh ben, le hachis tradition, parce qu'en fait, je voulais faire moi les steaks parce que 150, ça faisait trop. Donc du coup, j'ai réduit un peu, comme ça me fait des steaks qui sont un peu plus fins. Vu que mes pains sont assez petits, vous voyez. Qu'est-ce que la participation au concours de l'année dernière t'a appris ? Qu'il faut toujours innover, il faut toujours se remettre en question, et il faut surtout écouter ce qu'on dit, parce qu'une critique est toujours bonne à prendre, donc il faut toujours savoir évoluer et avancer dans les choses, quoi. Bon courage. Merci. 25 minutes, un peu moins de 25 minutes maintenant, puisque le temps passe, le temps file. On va faire connaissance avec Jimmy de Bourg-en-Bresse, chef gérant du Rhodes Coffee. Bonjour Jimmy, ça va ? Bien et vous ? Un peu de pression, non ? Ah oui, bien sûr. Oui, toujours un peu de pression. Voilà. Quelle est l'histoire du burger ? Qu'est-ce que tu vas nous présenter dans ce concours Coupe de France du burger by ce copain ? Alors là, je vous présente le casse-croûte de marque. Donc, étant donné que c'est le thème, c'est la créativité la française, j'ai voulu faire un clin d'œil à Marc Vera, qui pour moi est un des cuisiniers les plus créatifs de sa génération. Donc l'idée, c'était de faire un burger typé très sous-bois alpin. Vraiment, quand vous croquez dans le burger, vous êtes à Annecy, vous êtes à Chamonix, vous êtes... vous regardez, vous croquez, vous voyez les marmottes. Quoi. On voyage en Haute-Savoie, en ouais, fait. C'est ça. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur là ? C'est secret ou on peut le découvrir ? Non, là, pour l'instant, il n'y a rien. Ah, il n'y a rien, super, génial. Alors, donc, dans la casserole, là, il y a quelque chose, je le vois. Ouais, c'est des petites girolles au vin blanc, à l'échalote et à la ciboulette. Parfait. Et là, nous avons une sauce, donc c'est un fond brun de veau réduit à 4 pour 1, à la marjolaine et monté au beurre. Et puis alors, en termes de présentation, je crois qu'on a fait très fort. Tu nous as ramené, c'est quoi ? C'est un morceau de Haute-Savoie, c'est ça qui est venu ? Non, l'idée, en fait, c'est que là, on a une tranche de sapin qui fait 93 ans. J'ai compté chaque strate. Et la première strate, quand a été planté l'arbre, c'est la naissance de Paul Bocuse. Et vous avez sur les petits drapeaux des points très importants de la restauration gastronomique en France et surtout en Rhône. Ouais. Donc c'est vraiment très très poussé là pour le coup, Jimmy. Quelle est la viande que tu as choisie ? On rappelle qu'il y a trois viandes qui sont mises à disposition. Donc, Charolais français. Donc moi c'est une viande que j'utilise toute l'année dans mon restaurant. L'idée, Charolais c'est aussi un petit peu du côté de chez nous. L'idée aussi, c'est de faire une tranche bien épaisse pour pouvoir laisser cuire gentiment et avoir vraiment, vraiment un morceau de viande. Quoi. Je regarde le chrono, moins de 20 minutes. Est-ce que ça va le faire ? Oui, ça devrait aller. Allez, bonne chance, Jimmy, dans ce concours. Troisième candidat que vous venez donc de découvrir à l'instant. On fait maintenant connaissance avec le quatrième candidat. C'est Grégory qui est là dans ce concours cette année pour la toute première fois, chef gérant du relais de la Chevrette. C'est à Bernex dans le 74, Haute-Savoie donc. Ça va, Grégory ? Impeccable. Alors, quelle est l'histoire du burger que tu vas nous présenter dans ce concours ? Eh bien, déjà, il s'appelle le Yacht Burger. La Yacht en patois, c'est la Haute-Savoie, pour ceux qui ne connaissent pas. Et en fait, on a essayé de ressortir. Tous nos produits viennent des alentours où on est, où on travaille. Les légumes d'un maraîcher, la farine d'un minotier à côté de chez nous, et le fromage à raclette d'un maître affineur aussi. Et il y a aussi du fromage d'abondance mélangé au tartare, qui lui vient d'un fermier du village à côté. Donc, des produits locaux, des produits français, des produits, j'ai envie de dire, circuit court aussi. C'est ça, le maximum possible. C'est le maximum possible. Le pain, comment est-ce que tu l'as imaginé ? Eh bien... Est-ce qu'il est particulier ? Il y a quand même... un pain traditionnel à burger. C'est à mi-chemin entre une pâte à pain et une pâte à brioche, avec du jambon cru dessus pour amener... Quand le gras du jambon cru fond à la cuisson, il donne un goût au pain. Parfait. Bon courage dans ce concours. Grégory qui nous disait que voilà, depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, il se prépare
pour participer à cette Coupe de France du burger. Sera-t-il le lauréat de cette région, la région sud-est à présent? Eh bien, nous le serons donc dans un petit peu plus d'un quart d'heure maintenant. Je vais rejoindre Jean qui est là, qui est de nouveau parmi nous, puisque Jean est un habitué, j'ai envie de dire, du concours. Il était là déjà l'année dernière, Jean. Et ça nous fait très plaisir de vous retrouver. Vous avez de nouveau passé la sélection des dossiers. On rappelle qu'il y en a plus de 300 qui ont été reçus par le comité organisateur de cette Coupe de France. Et Jean, de nouveau, parmi les finalistes. C'est toujours satisfaisant, Jean. Oui, on vient vous voir et puis ça fait plaisir de travailler avec vous. Alors Jean, quel est le burger que cette année, défendre dans la compétition? J'ai fait un cliché sur les symboles de la gastronomie française. Ah, c'est-à-dire? Alors c'est-à-dire, j'ai fait un vrai pain baguette avec une pousse lente, du vin. Donc j'ai fait une sauce marchande vin qui est bien réduite avec de la viande, paleron, des légumes frais. J'ai fait derrière du fromage, un bon vieux fromage de 24 mois du comté. D'accord. J'ai fait une gastrique pour twister tout ça avec un jus de veau, une infusion de basilic et de coriandre. Comment est-ce que vous avez imaginé la sauce? Parce que ça fait aussi partie des critères de notation, le fait que le choix des aliments, le choix des ingrédients, que tout ça soit harmonieux. Alors j'ai tout controversé la façon de voir le burger. Ah, un risque. Ouais, complètement. Il n'y a pratiquement pas de gras, pas d'huile, pas de beurre dans mon burger. C'est tout fait avec des sauces à base de vin ou de jus de veau. Il faut que le pain, parce que alors, le pain, c'est un pain baguette, il faut que le pain, du coup, soit assez tendre au moment de déguster le burger, alors, on est d'accord, hein? Oui, bien sûr, c'est pour ça qu'on a fait une polish, c'est une façon de travailler le pain avec une pousse lente. Voilà, c'est un pain très alvéolé, très léger. Pour ce pain-là, on a 48 heures de pousse. 48 heures, voilà. Bien. Quelle est la viande, Jean, que tu as décidé de choisir parmi les trois proposées par ce copain? Charolais. Bon, je te laisse te concentrer. Il reste 15 minutes. 15 minutes pour monter les trois burgers. Alors, je rappelle que ce concours, la Coupe de France du Burger by ce copain, normalement, se déroule dans le cadre du salon Sandwich and Snack Show qui se déroule chaque année Porte de Versailles à Paris. Malheureusement, cette année, le salon a été plusieurs fois reporté puis annulé. Mais ce copain a décidé de garder, de maintenir ce concours pour plusieurs raisons. Déjà parce que les chefs que vous voyez tout autour de nous, se sont engagés dans ce concours, ont imaginé, créé des burgers avec lesquels ils viennent se défendre cette année encore. Mais également pour soutenir la filière restaurateur qui est, vous l'imaginez, en difficulté cette année. On va faire connaissance avec quelques-uns des membres du jury. Si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas à laisser des messages en bas de la vidéo. Baptiste est en pleine communication, là, en train de regarder ce que Morgane fait. Baptiste Pialot, expert cuisine. Baptiste, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être là pour cette finale sud-sud-est. Alors, qu'est-ce qui dénote? Qu'est-ce que vous avez vu comme produit qui retient votre attention? J'ai vu de la fumée à côté de moi. J'ai vu des produits du terroir là-bas. J'ai vu des steaks assaisonnés au pesto là-bas. J'ai vu du reblochon fondu. Ici, je vais passer après ici pour voir. Et il y a de la créativité partout. Vraiment, c'est intéressant parce que chaque élément emmené est réfléchi. Et il y a vraiment une réflexion sur chaque produit afin qu'il puisse lui-même emmener une plus-value au burger en finalité. Mais ça prouve bien que le burger est un plat à part où on peut imaginer, on peut se lâcher, on peut faire des choses qui sont très très intéressantes. Mais oui, évidemment, parce que c'est un produit où on s'est dit forcément c'est quelque chose de simple, on met du pain, une viande et c'est terminé. Mais non, c'est pas du tout ça. On peut varier sur le pain, sur la viande, sur les condiments, sur la sauce, sur la présentation. Et donc c'est tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est cette variation qui fait que on voit qu'il y a énormément de choses à faire, même sur un burger. Et je vous laisse faire le petit tour, Baptiste. Et à tout à l'heure pour la dégustation. Christophe Girardet est avec nous. Christophe discute avec Paul Fedel et discute avec Morgane, la candidate. Christophe, qu'est-ce que vous dites avec Paul Fedel et Morgane? Vous discutez? Moi, je suis heureux de voir la technicité qu'il y a dans les pains. Je disais à Paul,
On est largement sorti du Bonds dit ordinaire en jouant sur les farines. Là, on a joué sur les ingrédients, on a joué sur le feuilletage. On s'est rapproché de la gourmandise à la française, de la viennoiserie. Oui. On est proche du croissant. On a mis un beurre maître d'hôtel dedans. Enfin, on est vraiment dans du français, quoi. Et ça, c'est très intéressant. Hein. Le pain, c'est votre spécialité, en plus. Bien évidemment, ma spécialité. On va le rappeler. Ils sont tous très différents, d'ailleurs. Ah oui, on le voit bien sûr, bien sûr. On a des choses très, très originales. Là, on a une façon plutôt très baguette. Là, on est feuilleté. Derrière, on est très coloré. Oui, il y a vraiment des choses très intéressantes. Je remplis mon cerveau avec toutes ces belles idées et je vais m'y atteler à la maison, en tout cas. Avant de les déguster dans un instant. Avant de les déguster, effectivement. Bien sûr. Paul Fedel, du magazine Snacking. Bonjour, Paul. Bonjour. Bienvenue. Chaque année, Paul est fidèle au rendez-vous. Vous êtes envié par des confrères qui ne participent pas au concours du burger. Vous allez pouvoir les tester dans un instant. Heureux de vous avoir en tout cas à nos côtés pour cette édition 2020. Qu'est-ce qui retient votre attention dans ce concours cette année, Paul ? Disons déjà l'endroit, l'atelier des chefs qui parle beaucoup. Par ailleurs, de voir des candidats qui reviennent chaque année et qui ont pris en compte un certain nombre d'éléments qui leur ont été formulés l'année dernière pour s'améliorer. C'est le cas. J'en discutais avec Morgane, qui disait qu'elle avait entendu ce que le jury avait dit. Ce qui implique aussi derrière qu'on ne s'improvise pas pour faire un burger qui a une technicité. Un burger, ce n'est pas juste l'accumulation de couches de pain, de viande, de légumes. C'est une alchimie, c'est un plat complet. Donc ça demande une recherche, une exploration. Et puis c'est de le typer aussi par région, que je trouve très intéressant. Chacun a son interprétation de la région et ça nous donne des réalisations variées et intéressantes. Voilà, la région Sud-Est, pour l'instant, c'est la 4e finale régionale que vous vivez en direct sur la page Facebook, avec évidemment le respect des règles sanitaires. Vous l'avez compris, c'est la raison pour laquelle cette année, eh bien, ce concours se fait pratiquement huis clos. Hein. Vous pouvez voir derrière les fenêtres, derrière les vitres qui sont autour de nous, eh bien, les membres du jury, les équipes qui sont là, les accompagnateurs, dont le nombre a été très limité cette année. Et puis, je vous rappelle que sur la page Facebook de ce concours, vous avez un lien qui vous présente les visuels de tous les burgers, des 25 burgers qui ont été sélectionnés pour ces finales. Donc pour les 5 finales régionales, il y a à chaque fois 5 burgers. Et vous avez jusqu'à 16 heures pour voter pour le burger qui vous semble le plus appétissant. Le burger qui aura reçu le plus de likes sera récompensé par le prix du public. Et son chef, son créateur, eh bien, se verra remettre un chèque de 500 euros. C'est une nouveauté donc pour cette année. On regarde le chronomètre. Il reste moins de 10 minutes. Moins de 10 minutes dans ce concours. On refait un rapide tour avec Lionel. Lionel, moins de 10 minutes pour dresser les burgers. Est-ce que c'est jouable ? Largement, c'est bon ? On est dans le temps. On est dans le temps. Les burgers, la viande ont été fumées. Je ne t'ai pas demandé quel est ton choix de viande dans ce concours parmi les 3 proposés. Alors, on est sur les 100 grammes. Les 100 grammes, mais c'est quoi ? C'est la tradition ? C'est VBF, c'est ça. Tradition VBF. J'ai un bug, mais... C'est le charolais, voilà, exactement. Parmi les 3 viandes qui sont proposées par ce copain. Le pain aussi, on n'en a pas parlé, mais il est assez... C'est moi qui le réalise dans mon restaurant. C'est toi qui le réalise ? C'est moi qui le réalise. Pourquoi il y a une petite marque là, en haut ? T'as prévu de mettre... Alors là, le petit trou, c'est pour pouvoir ensuite mettre mon jaune d'œuf dessus pour pas qu'il passe à travers le pain, en fait. D'accord. Ça lui sert en fait pour se caler, pour pas qu'il coule et qu'on ait vraiment le jaune d'œuf qui prend le dessus, quoi. Vous pouvez encourager Lionel en laissant votre message sous la vidéo, sur la page Facebook et sur les réseaux sociaux, bien évidemment. Morgane, il reste 8 minutes 30. Est-ce qu'on est dans les temps ? Est-ce qu'on est en avance ? Ouais, c'est bon. C'est bon ? Ouais, c'est bon. Pas de souci. Très bien. Avec les supporters qui sont là, hein, on a l'accompagnateur qui est juste à côté, derrière la vitre, dans le respect des règles sanitaires, je vous le disais. Et c'est parfait. Donc, on est dans les temps. 8 minutes. Il y a un petit peu de monde du côté de Jimmy. On va le laisser pour l'instant. Grégory, il reste 8 minutes, un peu plus de 8 minutes, 8 minutes 10, ça va ? Largement, largement, regardez, ça sent très très bon. Ça sent très bon. Est-ce que la viande, tu l'as fait saignante à point ? Saignante. Saignante, la viande. La viande a été faite, mélangée avec des condiments, et on a hâte de découvrir donc la création de Grégory. Je reviens vers Jean qui est en train de râper le fromage. 8 minutes, un peu moins de 8 minutes, Jean, c'est bon ? Ouais, parce que je vais le couper avant. Même avant, il sera prêt avant. Bah, c'est parfait. 3 burgers à réaliser.
et à faire. Je rappelle que les chefs viennent de la France entière aujourd'hui pour participer à ce concours. Voilà, vous vivez en direct sur la page de la Coupe de France du Burger, bah, il se coupe pas donc ce concours. Je vais me rapprocher de Jimmy. Jimmy, attention, il reste 7 minutes. Est-ce qu'on est dans les temps, Jimmy ? Oui, totalement. Sûr ? Sûr. Pas de retard possible ? Non. On commence le dressage avec les différents produits régionaux qui sont ici, que vous pouvez voir. Je vois quelques fleurs également qui viendront peut-être et certainement agrémenter la présentation. C'est la finale. Région Sud-Est, les 5 finalistes se battent, Lionel, Morgan, Jimmy, mais également Jean et Grégory. Il vous reste un peu moins de 6 minutes 30, pas de pression, tout le monde est très calme en ce moment, et c'est parfait. Je rappelle que les résultats de cette finale régionale, vous pourrez la suivre dans la story de la page Facebook. Vous pouvez aussi nous retrouver sur le compte Instagram de la Coupe de France du Burger by Socopa. Et puis la Coupe de France, elle est ici, elle est derrière moi. Je ne sais pas si vous la voyez, voilà, regardez, elle est ici, la Coupe de France, la jolie Coupe de France édition 2020, qui sera remise à l'un des chefs qui nous fait le plaisir d'être présent cette année encore. Les chefs qui viennent de la France entière pour vous faire vivre ce concours en direct. On est en direct sur Facebook. Il reste 5 minutes 40, messieurs. Et autant vous dire que Jimmy est particulièrement prêt puisqu'on termine le dressage. 5 minutes 40. Pardon ? Il n'est pas encore fini ? Non, non. Est-ce que pour l'instant, on est d'équerre avec ce qu'on avait prévu de faire ? Est-ce que la présentation te convient ? Bah, je lui dirai ça tout à l'heure quand ça sera terminé. D'accord, donc 5 minutes encore. Donc on ne se met pas la pression, mais tout de même, avec un élément important du décor. Grégory, on arrive voilà, au dressage. 3 burgers identiques. Je rappelle que plus de 300 dossiers ont été reçus cette année encore pour cette Coupe de France du Burger by Socopa. Les finalistes ont été sélectionnés sur dossier et c'est aujourd'hui que tout se joue en direct et en temps réel. 25 minutes pour donc tout réaliser. Baptiste, vous avez eu le temps de faire un petit tour, un peu plus en détail. Qu'est-ce qui vous interroge ? Qu'est-ce qui attire votre attention ? Ce qui m'interroge maintenant, c'est la dégustation pour savoir comment va se passer l'accord des goûts et des techniques qu'on a vues pendant 25 minutes, oui. À savoir comment ça va être au niveau gustatif. Parce qu'au niveau présentation, on est déjà sur un très beau niveau partout. Oui, on voit qu'il y a vraiment du beau travail. Sur les critères de notation, je rappelle qu'il y a l'histoire du burger, l'histoire que le burger raconte, c'est important. Complètement. La viande qui est aujourd'hui l'élément premier quand on mange un burger, eh bien c'est le cœur. C'est le cœur. C'est le cœur du burger, évidemment. Exactement. C'est le critère numéro un. Et puis après, le goût des saveurs, le mélange, il faut que ce soit... Complètement, l'alchimie qui se produit entre le goût, la viande, la cuisson de la viande, les sucs de la viande qui ont été cuits, les préparations annexes qui ont été faites, les réductions de viande, les champignons qui sont rajoutés, la fumée, c'est vraiment toute cette alchimie. C'est tout ça qu'on aime retrouver sur les tables des restaurants aujourd'hui, et pas forcément que des grands restaurants, puisqu'aujourd'hui, un restaurant se doit d'avoir un burger à sa carte, c'est un plat incontournable. Complètement, on le voit que c'est une demande déjà des clients, et si on ne le met pas, on va avoir la demande tous les jours. Donc on doit se le mettre, et c'est une vitrine aussi, parce que ça reste un point de référence. Les gens qui vont venir au restaurant ont déjà mangé des burgers partout, donc ils vont vous tester en sachant, est-ce que le burger de votre restaurant, comment il est ? Qu'est-ce qu'il a en particulier, en fait ? Qu'est-ce qu'il a en plus ? Oui. Quelle technique vous utilisez ? Quel goût ? Voilà. Donc ça reste maintenant un critère de sélection, évidemment, dans des restaurants. Et l'occasion pour les chefs, justement, de s'exprimer sur leur créativité. Voilà, parce que ça permet aux chefs qui sont plutôt jeunes de travailler un produit du moment avec des choses dans lesquelles on a vécu et de se dire aujourd'hui maintenant on peut faire un produit avec lequel on a grandi et qu'on voit évoluer. Vous voyez le chronomètre, merci Baptiste, vous voyez le chronomètre en haut à droite de votre écran chez vous, il reste moins de 3 minutes, 2 minutes 45 pour être précis. Attention au dressage, Jimmy, il ne faut pas se planter là sur cette étape.
avec un dressage très artistique, avec des éléments qui sont venus de très loin. Une histoire à raconter, il faut que ça tienne. On a quelque chose de très très visuel, mais est-ce que ce sera suffisant dans le concours? Le goût, la texture, la viande, ce sont aussi des paramètres qui sont très très importants lors de la notation du jury dans quelques instants. Alors regardez, on fait légèrement... tu peux nous expliquer ce que tu viens de faire, Jimmy? C'est un alcool de thym à 96% qui va donner un arôme au reblochon vieilli. Il va le faire fondre sur le burger. Parfait. Et le thym également que l'on voit à l'arrière, hein, pour légèrement donner ce coup de fumée. Ça, c'est pour les odeurs. C'est pour les odeurs. Oui, tout à fait. Très bien. Ça, c'est un burger qu'on peut facilement reproduire en restaurant? Je vais le faire à partir du mois prochain, oui, dans mon restaurant. Voilà, belle présentation. Est-ce que ce sera suffisant? On le verra dans quelques instants avec la dégustation. Morgane, attention, il reste 1 minute 30. On a fini de dresser. On a fini de dresser, Morgane, c'est parfait. Les burgers sont ici. On va voir du côté de Lionel. Il reste 1 minute 30, Lionel. Est-ce qu'on est dans les temps, Lionel? Je vois que ce n'est pas totalement terminé. Ah, il manque encore un peu, ouais. Allez, regardez. Là aussi, ça se joue à quelques millimètres près pour déposer le jaune d'œuf. Tout en haut, attention, il reste 1 minute. Jean, est-ce qu'on est serein, Jean? 1 minute. C'est pas mal. Jean, la sérénité, le calme à l'état pur. Jean n'est jamais stressé. Il suffit juste de contrôler son temps, Jean. Grégory, on a fini? C'est fini. Il reste 45 secondes. 45 secondes. On ajuste sa présentation. Allez, on retente un deuxième essai là, du côté de Lionel. 30 secondes. Vous vivez les dernières secondes de cette étape du Sud-Ouest, de cette finale du Sud-Est, en direct sur la page Facebook de la Coupe de France du Burger by Socopa. Ça sent très très bon ici. Un petit peu de tension du côté de chez Lionel. Mais je pense que tout est bon. Attention, 10 secondes. 10 secondes et on va devoir donc lever les mains. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est terminé. Bravo, félicitations. Vous pouvez vous applaudir. Il y a de très très belles choses. De très très belles choses que l'on vient de voir. Julien, un mot sur les présentations finales. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de faire le tour de toutes ces créations. Bah, encore beaucoup de travail, et c'est impressionnant. Moi, je suis vraiment, vraiment impressionné par le dressage, la présentation visuelle, les histoires qu'il y a autour de ces burgers et de ces régions. C'est hyper important. Ils le savent, ils ont vu, les notes sont énormes, les premières notes attribuées à la présentation visuelle et à l'histoire. Et je pense qu'il y en a une dans tous, donc ça fait plaisir et ça met l'eau à la bouche, quoi. Voilà, là, on a une expression visuelle très importante. Ouais. Est-ce que ça va suffire? Le goût doit aussi, évidemment, entrer dans les critères de sélection et de notation. Et puis, le mélange des saveurs, il faut que tout ça soit harmonieux, on est d'accord? Ben oui, là, mais on le voit. Enfin, moi, franchement, à l'œil, déjà, on voit que c'est harmonieux. On a quand même un fromage coulant, donc ce qui est important dans un burger. On voit bien le steak. Il y a quelques touches un peu girly avec les fleurs et du végétal. Et on voit surtout un croustillant grâce à la tuile de comté et au jambon dessus. Ça donne envie. Ici, on a du jambon directement sur le pain qui est cuit. Moi, j'adore ce style de pain avec un pain plus classique. Et là-bas, encore un pain encore plus classique, pratiquement un pain de campagne. Mais c'est très intéressant aussi. Donc, on a des gros travail, on a un gros gros travail sur chaque burger. Merci Julien, je te laisse rejoindre les autres membres du jury. Vous allez donc pouvoir déguster donc ces burgers. Le résultat sera annoncé d'ici un quart d'heure, 20 minutes sur la story donc de cette Coupe de France du Burger by Socopa. Je vais demander à Véronique Nolière de Socopa de me rejoindre. Je ne sais pas où Véronique est là. Voilà Véronique. Tout va bien, Véronique? Eh bien, oui. Alors, Véronique, également membre du jury, on le rappelle, hein, dans cette sélection du Sud-Est. Un mot sur Socopa qui organise ce concours cette année encore, malgré la crise sanitaire. C'est un message fort pour les restaurateurs et les chefs qui sont là, de se dire, on a une grande marque comme Socopa qui nous soutient dans la crise que l'on traverse. Une crise sanitaire qui est aussi une crise économique pour eux. Oui, effectivement, c'était important de garder ce concours en dehors du salon qui était prévu. Pourquoi ? Pour montrer qu'on est là pour soutenir cette filière de la restauration qui souffre aujourd'hui, on le sait.
Donc nous, on montre en participant, en faisant participer à ce concours qu'on est encore avec eux. Ce Copa, c'est une maison d'abord familiale qui est née au début des années 50. Elle a grandi. Aujourd'hui, plus de 6000 collaborateurs un peu partout en France. Sur des points d'ancrage bien particuliers. Oui, on est vraiment au cœur des bassins d'élevage, donc on est vraiment dans les régions d'élevage. Pourquoi ? Pour promouvoir toutes ces viandes de région, puisque c'est important, et pour promouvoir toutes ces viandes de qualité, soit labellisées, soit bio, soit en circuit court ou régional. Donc des viandes qui sont à chaque fois élevées en France. Bien sûr. Et des viandes dans ce concours, 100% muscle. 100% muscle, 100% française. Voilà, ce Copa qui est donc le premier fournisseur de viande pour les restaurants. De viande et de viande hachée surtout pour la réalisation des burgers. Oui. Lourde tâche maintenant, Véronique, pour vous. Ça ne va pas être facile. Hein. Oui, ça va d'aller goûter facile. Les burgers. D'aller goûter, surtout qu'on a vu de très belles choses. C'est vrai, partout. Hein, si partout, le goût est aussi bon que le visuel, ça devrait être pas mal. Allez, vous serez autorisé à enlever le masque pour goûter, Véronique. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci de nous suivre en direct sur la page Facebook de la Coupe de France du burger. Bye, ce Copa. On se retrouve d'ici un quart d'heure, 20 minutes, en story pour vous annoncer le nom du gagnant. Et puis la prochaine finale, ce sera donc un petit peu plus tard pour la dernière région qui sera donc la région ouest, Grand Ouest, avant de passer à 16h30 à la finale nationale. Merci d'avoir été là, bel après-midi et à très très vite, à tout de suite pour la suite de cette Coupe de France du Burger, Bye ce Copa, en direct sur les réseaux sociaux.